J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis assez contente et fière de moi puisque j'arrive à faire des cartes et à vous faire des vidéos. Donc franchement je suis trop ravie. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 novembre. J'ai fini à l'heure. Aujourd'hui on a du soleil, ça fait du bien, donc ça y est, c'est enfin le week-end, bientôt la reprise des écoles pour les loulous. Mine de rien, ça aura passé assez vite quand même. Donc je vous retrouve aujourd'hui comme promis. J'avais fait du coup mes fonds, je vous les avais déjà montrés. Et aujourd'hui j'ai fait deux petites cartes avec cette planche de tampons. Donc elle est vraiment trop belle, elle est très girly. Donc ça me permet de scraper du rose, puisque comme j'ai que des garçons à la maison, c'est... Et bah voilà, donc je profite du coup pour avoir ce genre de tampon pour vraiment faire girly à souhait. Donc j'ai fait du coup, je vous avais montré les tamponnages que j'avais fait, je les ai colorisés, donc toujours avec les crayons. Franchement ces crayons là ils sont trop bien. Je vais vous les montrer. Donc je les ai sortis de leur boîte, et donc des petits rangements plutôt sympa. Donc ça s'empile. Alors est-ce qu'il y en aura d'autres à l'avenir, je sais pas, mais c'est avec des petits casiers comme ça, franchement très pratique, ça prend pas trop de place. Donc j'ai fait mes petites colorisations, j'ai tamponné un petit peu partout, et franchement je suis trop contente du résultat. J'ai rajouté un petit peu d'enamel dots rose poudré et transparent. Et voilà, je suis trop contente. Je vais vous basculer pour vous les montrer, puisque pour vous puissiez bien voir le rendu final. Donc je vous bascule. Voilà mes deux petites cartes. Donc c'est très rose, hein, là... Donc la première qui est comme ceci, donc franchement j'aime trop. Je me suis amusée au niveau des tamponnages. Donc là j'ai fait, vous voyez en bas, une petite compo. Donc c'est avec ce tampon là, celui-ci dans le coin, parce que dans cette planche il y a beaucoup de nœuds. Donc j'essaie d'en mettre un petit peu. Franchement ça rend plutôt bien. Et donc là j'ai juste mis un petit tamponnage. Donc c'est celui-ci. Donc c'est une petite couronne de fleurs avec l'étiquette. Mais moi du coup c'est caché exprès par le tamponnage. Et donc j'ai collé directement mon titre. Donc Happy Life. Et au niveau du tamponnage, donc je l'ai mis en relief, donc je l'ai mis avec le double face mousse, et j'ai fait une petite colorisation. Franchement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là vous voyez j'ai mis les enamel dots, donc là vous voyez c'est pas totalement sec puisque je viens de les faire là à l'instant. Donc quand ça sera totalement sec, ça sera complètement transparent. Mais vous voyez le rose poudré comme ça, franchement il est trop canon. Donc voilà pour la première. Et puis j'ai fait mon petit tour de crayon noir, et puis j'ai fait des petits traits comme ça. Voilà pour la première. Et la deuxième,
Je sais pas si on va bien voir au niveau de l'encre. C'est un petit peu doré pailleté. Franchement, c'est trop trop beau. Donc là, pareil, je me suis amusée avec les enamel dots. Et ici, j'ai juste mis le scooter en 3D. Et là, j'ai juste fait dans le coin la petite compo de fleurs. Et franchement, ça rend plutôt pas mal. Donc voilà mes deux petites cartes. Donc elles sont vraiment très très simples, mais franchement très faciles à réaliser. Et franchement très rapide, puisque là il est 16h10. Je les ai commencé je sais plus vers quelle heure. Ça va faire comme hier, j'ai mis moins d'une heure pour faire ces petites cartes. Et du coup je suis contente, puisque j'ai pu faire mes petites cartes avant que la lumière soit trop sombre. Comme ça vous voyez le rendu. Franchement, je suis trop trop fan. Donc c'est encore un petit peu gondolé. Donc quand ça sera vraiment bien sec, je vais faire comme les deux autres. Je vais mettre sous un poids pour que ça soit bien plat. Doki ! Et Doki n'est jamais loin. Tu dis bonjour ? Doki ! Alors ? Et voilà, il va se poser sur l'écart, forcément. Hein? T'es toujours collé à maman, hein? Bah oui, hein. Ok, Gana. Tu dis bonjour, là? Oh là 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 là. Petit ours. Bon, voilà, il va rester là, tranquille. Bon bah voilà pour mes petites cartes. Franchement, je suis trop trop contente, je le redis encore. Mais voilà, deux petites cartes faites. Du coup, demain, nous sommes samedi. Je vais voir si j'ai le temps de faire, vous savez, les cartes avec les boules à neige de Noël. Donc à voir si j'ai le temps demain. Je sais pas encore. Déjà, je vais mettre en ligne cette vidéo parce qu'il faut que je récupère Monsieur Coxy au travail. Il finit à 17h en espérant qu'il finisse à l'heure. Donc je vais déjà exporter ma vidéo et puis faire ma petite miniature comme d'habitude. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez scrappé un petit peu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Scrappez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !